Chers pèlerins, bonjour à tous, bienvenue ici à la grotte de Massabielle. Aujourd'hui, cinquième dimanche de carême, nous chantons tous ensemble « Attende Domine et miserere qui a peccativumus tibi ». Attende Domine et miserere qui a peccativumus tibi. Attende Domine et miserere qui a peccavimus tibi. Maître de la terre, Rédempteur des hommes, nous te supplions, Christ sauveur, écoute-nous. Prends pitié de nous, viens sécher nos larmes. Attende, Domine, et miserere, qui a peccavimus tibi. Toi, le Dieu fidèle, entends notre plainte. Nous avons péché, Christ sauveur, pardonne-nous. Toi qui es amour, fais miséricorde. Attende, Domine, et miserere, qui a peccavimus tibi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus ici, à la grotte de Massabielle, pour la célébration de la messe en ce cinquième dimanche de carême. Je salue la présence de tous les pèlerins, spécialement des militaires qui nous viennent de Castres, pour qui nous prions aujourd'hui particulièrement. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Seigneur, viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Pur, ô mon Dieu, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entière de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffirme au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rende-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans le chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'ils me suivent, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé ». Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le lieu où nous nous tenons est un lieu saint depuis que le ciel s'est révélé ici par l'intermédiaire de la Vierge Marie. En ce lieu, le 11 février 1858, la Vierge Marie n'a pas commencé à s'adresser à Bernadette par des paroles, mais par un geste que nous connaissons bien, un geste tout simple qui est le signe de la croix. Lorsque Bernadette, qui était à votre place, a vu cette apparition dans le rocher, elle a eu peur. Et la belle dame, à ce moment-là, a fait doucement son signe de croix et Bernadette est entrée dans la paix. La Vierge Marie n'est pas venue ici pour se révéler elle-même, d'abord. Elle est venue pour nous présenter son Fils, qui est mort sur la croix. Que nous révèle cette première apparition ? La croix est le trait d'union entre l'humanité blessée, représentée par Bernadette, et l'humanité transfigurée,
qui est représentée par la Vierge Marie. Entre les deux, il y a une communication possible. Et la croix et ce trait d'union, les pères de l'Église disent que c'est l'échelle qui nous permet de communiquer avec le ciel et d'espérer le ciel. Marie n'est donc pas venue pour se mettre en avant. Elle nous montre, dès le début des apparitions, son Fils sur la croix. Précisément, chers frères et sœurs, en ce cinquième dimanche de carême, la liturgie de l'Église oriente notre attention sur la mort prochaine de Jésus. Dans l'Évangile, Jésus lui-même en parle lorsqu'il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Cette heure qu'il a annoncée de nombreuses fois tout au long de l'Évangile, vous vous souvenez certainement de l'épisode des noces de Cana où Jésus dit à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue, cette fois-ci son heure est venue ». Et Jésus, dit l'Évangile, est bouleversé au plus intime de lui-même. Il annonce qu'il doit s'offrir en sacrifice, comme le grain de blé qui doit mourir pour porter beaucoup de fruits. Sa mort est comme le point d'orgue de toute sa vie. Avant même qu'elle survienne, il l'annonce, il s'y prépare, il est prêt à la recevoir. Il ne l'a pas programmée, il n'a pas choisi le moment, il n'a pas choisi l'heure, mais il s'y prépare. Et déjà, avant que la violence s'abatte sur lui, il l'offre de tout son cœur, comme un acte d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour, a-t-il dit, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on aime. Chers frères et sœurs, ces paroles du Christ ne nous font-elles pas réfléchir sur ce que peut-être nous ne voulons pas voir, mais qui est notre mort ? Un jour, tous autant que nous sommes, nous allons rendre le dernier soupir et nous allons mourir. Cette mort, est-ce que nous nous y préparons ? Sera-t-elle le point d'orgue de notre vie, comme l'accomplissement de notre vie, comme une offrande d'amour à Dieu le Père pour le salut du monde ? Comment l'offrons-nous dès maintenant ? Avant qu'elle ne survienne. On peut être surpris dans cet évangile que Jésus annonce sa mort comme une glorification, alors que précisément sa croix est plutôt le signe d'un échec cuisant. Cependant, si nous contemplons ce mystère avec le cœur, nous pouvons découvrir autre chose qu'un échec, mais plutôt une révélation unique, cette révélation qui est l'amour infini de Dieu qui est allé jusque-là par amour des pécheurs et pour nous. C'est l'expérience que fit le bon larron. Vous savez, à côté de Jésus, alors qu'il est crucifié, il y a deux autres prisonniers qui sont condamnés à la mort. Et l'un d'eux, voyant Jésus à la dernière extrémité, et découvrant dans cet homme de douleur l'amour infini qui habite son cœur, se tourne vers lui en disant « Seigneur ». Vous voyez, il le voit mourir, il l'appelle Seigneur, lui qui était pourtant un homme certainement un criminel, il se tourne vers lui et dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Il a reconnu dans l'homme de la croix le roi de l'univers. « Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Et puis on pense aussi à ce centurion romain qui n'était pas non plus baigné dans l'écriture sainte, qui était un étranger et un païen, qui était loin certainement de la pratique religieuse. Ce centurion, dit l'Évangile, voyant Jésus mourir, dit « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Vous voyez, la mort du Christ,
dès ce moment-là, porte du fruit et il est glorifié par les pécheurs qui se tournent vers lui. Comme eux, chers frères et sœurs, en cette cinquième semaine de carême, nous sommes invités à regarder le Christ en croix, non pas d'une manière superficielle, comme quand on va au spectacle ou au théâtre pour être ému pendant un instant, mais d'une manière existentielle, en pensant que Jésus a versé son sang pour chacun d'entre nous. Regardons-le, écoutons ses paroles, ouvrons notre cœur à sa miséricorde. Nous savons que la mort du Christ n'est qu'une étape de son pèlerinage. Il s'est anéanti pour être exalté. En mourant, il vient chercher les hommes jusque dans les conséquences, la conséquence la plus tragique du péché, qui est la mort, pour les conduire à la vie. Il vient chercher les pécheurs pour les conduire à la résurrection. C'est précisément ce grand mystère pascal de mort et de résurrection, ce que nous célébrons à chaque messe où, par la grâce du sacrement, nous sommes rendus contemporains de ce mystère pascal de mort et de résurrection. C'est comme si nous étions, et nous le sommes, au pied de la croix pour recevoir les grâces du Christ. Nous sommes entraînés par lui à donner notre vie. Mais pas seulement à donner notre vie. Je pense aux militaires qui sont parmi vous, parmi nous. Nous sommes entraînés à donner notre vie. Mais pas seulement notre vie. À donner aussi notre mort. À nous y préparer. À ne pas la programmer. À l'accepter. Et à l'offrir pour une cause plus grande. Dans l'espérance de la résurrection. Amen. Nous professons notre foi. Nous prendrons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous vers notre Père du ciel pour lui présenter les offrandes de son Église. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Prions pour
pour les pasteurs et les fidèles de l'Église, appelés à témoigner de la vie éternelle, afin qu'ils soient fidèles et audacieux. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Prions pour les familles en deuil, afin qu'elles trouvent dans la parole de Dieu l'espérance de la vie éternelle. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Prions pour ceux qui vont recevoir le sacrement de la réconciliation, afin qu'ils découvrent avec confiance la miséricorde de Dieu. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Prions pour les pèlerins de Lourdes, afin que la Vierge Marie les conduise à la rencontre de Jésus mort et ressuscité pour le salut du monde. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur, et voient exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs formés par l'enseignement de la foi chrétienne d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous prions le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra. Gloria tua, Hosanna, Hosanna. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna, Hosanna. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi, Seigneur, des parachutistes en pèlerinage en ce jour à Lourdes. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Venez dans une même communion avec les grands d'apôtres la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et Sainte Louis Saint-Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul André. Et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière à leur maître d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes
et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Notre cœur est plein de joie.
Oh, marchant vers.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Chers pèlerins, vous pouvez poursuivre votre démarche de pèlerinage en participant cet après-midi ici à la grotte de Massabielle au chapelet en français à 15h30. Vous pouvez participer aussi à l'adoration eucharistique à la crypte de midi à 16h et ce soir ici à la grotte de Massabielle, le chapelet au flambeau à 20h30. Très bon pèlerinage à tous au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la bénédiction. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous. Oh,